Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 21 juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. J'ai pigé aujourd'hui la magie des besoins. C'est les émotions, n'est-ce pas, qui sont à la porte d'entrée de notre âme. Et les besoins sont des directions de vie en nous. Eh bien, c'est la vie qui s'exprime en vous. En tant qu'enfant, lorsque vous avez vécu des blessures, il y a eu des émotions à accueillir et à traverser, et aussi des besoins qui sont restés suspendus en vous. Cette carte, je l'ai pigée aujourd'hui, parce que vous avez sûrement besoin de reconnaître vos besoins. Elle va vous faire prendre conscience. Alors, connaissez-vous vos besoins véritablement? Est-ce que vous connaissez vos besoins? Avez-vous des besoins qui reviennent régulièrement à vous? Et quels sont vos besoins aujourd'hui? Vous savez, le but d'un besoin, eh bien, n'est pas forcément d'être comblé. Cela peut venir après, n'est-ce pas? Sinon, d'être avant tout reconnu. Encore une fois, posez-vous cette question. Quel besoin avez-vous utilisé, l'utilité, de bénir en vous? Quel besoin avez-vous l'utilité de bénir en vous? Deuxième question, pouvez-vous seulement le ressentir et rester avec? Eh bien, cette carte, elle vous invite à vous connecter profondément avec bienveillance. De vous-même et de vous écouter. Vous explorer. Qu'est-ce qui est vivant en vous et qui a besoin d'être honoré? Donnez-vous la permission de mettre vos besoins en priorité. C'est important. C'est le chemin vers la connaissance de vous-même et aussi de l'autonomie. Bien des questions, n'est-ce pas, cette carte que vous devez vous poser pour y travailler. Alors, aujourd'hui, vous allez vous dire trois fois: je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis, et la vie s'exprime à travers eux. Je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis, la vie s'exprime à travers eux. Une dernière fois, je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis, la vie s'exprime à travers eux. Très beau message, et on termine par le message des fées, et aujourd'hui, la lavandière de la nuit.
Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Donc, arrêtez de ressasser vos fautes. Prenez ce que vous avez besoin et que la magie opère, n'est-ce pas? Mais oui, je vous le souhaite en tous les cas. Je vous souhaite une excellente journée et puis dans l'amour inconditionnel, la tolérance, la bienveillance, l'altruisme, l'empathie, hein, tout ça fait partie, évidemment, moi, pour ma part, des valeurs qu'on m'a inculquées, que mes parents m'ont inculquées. Et je suis certaine que c'est aussi pour vous. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse. À demain.